pour une vidéo très spéciale. On va faire un No Cut Tag Challenge. Alors, qui nous a tagué? Stacy Nounette. Alors, c'est Stacy Nounette. Merci à Sylvie et Stacy de nous avoir tagué. Donc, on a déjà fait le No Cut Tag Challenge sur notre chaîne. Mmh. Et on a, ben, moi, j'ai demandé tout simplement à la maman de Stacy, donc à Sylvie, de nous poser d'autres questions un peu plus, pour pas faire un doublon. Donc, oui. Elle a décidé de nous faire faire un No Cut Tag Challenge en version... Noël. En version Noël. Donc là, on a les questions sur le téléphone. Je vais prendre le mail tout de suite et on va répondre en version No Cut Tag Challenge. Ça veut dire qu'il n'y aura aucune coupure, voilà. Aucun montage. La seule chose que montage que vous verrez, ce sera ce que vous avez vu au début de la vidéo. Donc le générique, c'est même pas un montage, c'est le générique. Et la fin avec tous les liens vers d'autres vidéos et les abonnements. Alors c'est parti, on y va. Donc je lis le mail. Donc coucou, voici les questions du tag sur le thème de Noël. Ah oui, bien sûr, j'ai oublié de vous dire, la chaîne de Stacy Nounette sera dans la description, ça coule de source. Oui. Alors on y va, on répond à la question 1, il y a 20 questions les amis, donc attention, ça risque d'être long ou pas, je sais pas. Donc on y va. Donc question 1, aimes-tu Noël? Oui. 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 Oui, ah bah oui. Allez, ça y est, pour le moment, c'est simple. Question 2, aimes-tu décorer ton sapin? Oui. 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 Ouais. Sauf... juste un truc que j'aime pas trop quand même dans le sapin, c'est les guirlandes qui clignotent. J'ai aussi horreur d'enlever les nœuds. Voilà, c'est juste moi, j'ai horreur de m'en fous, moi. Voilà, donc c'est juste le petit truc. J'aime pas. Moi, c'est couché. 3. Tu préfères bûche glacée ou pâtissière? Bûche glacée. Pâtissière. Ou une bûche pâtissière avec une boule de glace à côté. Ça, moi, bon. Glacée. Ensuite, 4. Ta chanson de Noël préférée? Vive le Vendômère. Vive le Vendômère, t'es sérieux? Alors, Vive le Vendômère, c'est une chanson qu'on peut trouver sur Internet, sur YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, vous tapez Vive le Vendômère, Homer des Simpsons. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaîtrez maintenant. Et toi, pour Océane, donc on peut choisir autre chose quand même. Et toi, t'aimes bien quoi? Comme maman. Comme maman? Toi, tu réponds quoi? Ah, non, qu'est-ce que tu réponds toi? Tu triches? Non, le truc. La chanson que tu chantes tout le temps en voiture que t'as appris à l'école, c'est quoi déjà? C'est là, le Père Noël a disparu. Le Père Noël a disparu? Ah oui, c'est ma chanson préférée justement à moi aussi. Le Père Noël a disparu, la circulation. En fait, c'est une chanson de Carlos que j'ai fait découvrir aux enfants. Donc, ça s'appelle Le Père Noël a disparu. Donc, pareil pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, allez voir sur YouTube Le Père Noël a disparu de Carlos. Et puis, donc les plus vieux connaîtront. Je fais partie des ancêtres, maman. Je m'en rends compte. Mais bon, donc c'est ma chanson préférée, celle d'Océane, du coup, pour le coup. Es-tu sur la liste des enfants sages cette année? Oui. Alors, moi, je suis plus une enfant, mais bon, j'ai des âges quand même, donc j'espère avoir quelque chose quand même. Les Ferrero Rocher. On verra ça dans deux jours. Ouais. Hein, si on a après des sages. Demain. Après demain, déjà. Ensuite, question 5. Es-tu sur la liste des enfants sages cette année? On l'a déjà dit. D'accord. Je radote. Qu'est-ce que tu préfères manger à Noël? Du saumon et... Faites-moi tout. Tout? Moi, du saumon et des anchois. Alors, moi, ce que je préfère, c'est les huîtres. Alors, tout le monde va faire, bah, j'ai pas bon les huîtres. Si, c'est super bon les huîtres. En fait, il y a des vitamines. Ouais. D'ailleurs, tu vas en manger à Noël? Oui, je vais goûter. Oh, il va goûter, c'est bien. Moi aussi. Bon, et toi, tu préfères quoi? Je pense que c'est le dessert, toi. Non, tout. Crevettes. Tout. Tout bon, tout bon, c'est bien. Sauf les huîtres. Tu vois que c'est pas tout, alors. J'ai jamais goûté les huîtres. Tout sauf les huîtres. Tu préfères un calendrier de l'Avent avec chocolat ou des surprises? Des surprises. Chocolat. Des chocolat. Non, ça dépend quel chocolat. Les chocolats, chocolat que au lait, mais s'il y a des petits... Alors ensuite, as-tu déjà construit un igloo? Oui. Oui. Moi, j'en ai construit plein. Non. Moi, j'ai fait un village. Tu vas faire quoi? Faire quoi, toi? Des bonhommes de neige. Tu voudrais un bonhomme de neige. Je te jure, je suis devant toi. Je voudrais un bonhomme de neige. Tu bosses
Bon, j'ai bon. Dit, tu bon, allez, on passe à la question suivante. Allez, question suivante, ouais, je m'égare. Ah oui, tu préfères un petit sapin ou un grand sapin? Grand sapin. Comme ça, comme ça. Ah ouais, alors ça, tu préfères un petit, toi? Parce que comme ça, c'est mieux, mais comme ça, moi, j'arrive mieux à mettre l'étoile. Ah ouais, pas faux du tout. Moi, je préfère les grands sapins. Mais alors, celui qu'on a installé, il est trop petit. Il va arrêter 80, mais pour moi, il est trop petit. Donc, je l'ai mis sur une petite table pour qu'il touche. Bah, il touche presque le. Ouais, mais fais pas de parce que le plafond, il est à ça du plafond. Donc, voilà. Non, il n'y a pas ça. Moi, il faut qu'il touche le plafond. Il est ça le. Ouais, il n'est pas grand chose. Hein. Il est ça. Alors, ensuite, quelle est ta boisson préférée à Noël? Alors, du champomis, mais s'il n'y en a pas, je prends du Sprite. Ok. Moi, c'est chocolat chaud avec des chamallows dedans. Oh oui, moi aussi. Comme un. Ah ouais, ça, c'est trop bon. Ça, c'est trop bon. Trop en bon, fait, trop bon. Moi, c'est... Chocolat chaud, chamallows, des tout petits chamallows dedans, c'est trop bon. Ah ouais, aussi. Préfères-tu jouer dehors dans la neige ou à l'intérieur au chaud? Dehors dans la neige. Alors moi, je préfère aller dehors dans la neige. Quand si on a de la neige, parce que nous, on a tellement peu de neige dans le sud que bah, s'il y en a, bah, forcément, on préfère aller dans la neige. Dans la neige, bah oui, c'est mieux. C'est logique. Tu préfères un sapin artificiel ou naturel? Artificiel. Bah, en fait, c'est pas moi qui préfère. C'est qu'on est obligé d'avoir un artificiel parce qu'on est quoi? Allergique. On est allergique. Quoi, et aussi, ça perd ses épines. Ouais, ça perd pas ses épines. Pas trop. Voilà. Donc c'est super. Pas trop, un sauf peu. Sauf que le vrai, il sent super bon. Mais bon, nous, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de... Moi aussi, je préfère quand même. Le donc, on préfère pas se poser la question, en fait. Comme ça, on peut prendre un petit. As-tu un pull de Noël? Ben, non. Mais par contre, on a... Ben, non. Les serviettes. On se colle les serviettes, ça nous fait un pull. N'importe quoi, là. Il cherchait les serviettes que j'ai achetées pour Noël. Là, regardez, c'est petit, le sapin. Mais réfléchis, on se colle les serviettes, ça nous fait un pull. Mais n'importe quoi. Alors, voilà, ouais, ça y est, si. Tiens. Bah, tiens. Bah, viens d'acheter des serviettes pour Noël. Tiens. Tiens. Voilà. Voilà, on n'avait pas de pull. Normalement, il y a Mario. On n'avait pas de pull de Noël, maintenant, on en a un. Maintenant, c'est plus Mario. Voilà, on a un pull de Noël, maintenant. Non, plus sérieusement, et ben non. Moi, c'est toujours Mario. On n'a pas de pull de Noël. On a des bonnets de Père Noël. Mario. Et j'ai même une coque de Noël. Ah, Merry voilà, Christmas. Celle-là, vous ne l'avez pas, hein. Merry Christmas. Elle est exclusive. Moi, je vais te la voler quand tu seras voilà, mais ça n'existera plus, là. C'est le téléphone. Non, mais j'ai rien de ton téléphone. Alors ensuite, attention parce que tu fais... Oui, on filme avec l'ordinateur sur la table et ça fait bouger l'ordi. Désolé les amis si ça bouge. Tu préfères sucre d'orge ou bonhomme en pain d'épices? Sucre d'orge. Bonhomme en pain d'épices. Moi, un jour, j'avais goûté le pain d'épices et j'avais mangé un petit peu. Un petit peu, mais t'aimes pas trop, je crois. J'aime bien quand même. T'aimes bien quand même. Alors, tu préfères quoi? Les bonhommes en pain d'épices. Ok, comme moi alors. T'as jamais goûté? Moi ensuite, si, à goûter des Saint-Nicolas même. Ah. Alors, 15. le jour de Noël, tu préfères rester en pyjama ou t'habiller? Habillée. En pyjama. Pas en pyjama, moi habillée. Ah non, je supporte pas les amis rester en pyjama toute la journée. Non, elle reste en pyjama. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dès que je me lève, moi je m'habille, je ne supporte pas. Ah, c'est un truc que moi, je supporte pas parce qu'à Noël, je vais aller avec maman acheter des choses. Non, on va pas acheter des choses à Noël. C'est la veille qu'on va acheter des choses pour manger. Ah oui, c'est vrai. Elle va mettre des déguisements. Attention, 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 attention. Tu fais bouger, les amis vont avoir le mal de mer. Océane, elle est ni en pyjama, ni en vêtements. Elle ça veut dire qu'elle est à poil. C'est nul. Non, c'est pas vrai, les amis. Océane. C'est trop nul. En fait, Océane, elle est déguisée, Océane. Tous les Noëls, elle est déguisée parce que tous les Noëls, elle nous commande. Au Père Noël, tu commandes quoi? Un déguisement. Et d'ailleurs, à Noël, je vais me déguiser en Vaiana. Bah, on sait pas si t'as été sage ou pas parce qu'à Noël, elle a commandé un déguisement de Vaiana. Encore un déguisement. Mais j'aurai deux corps de difficulté parce que je l'aurai sur ma liste et je l'aurai que toi t'as commandé. Ah, je sais pas, on verra. Alors voilà, donc Océane, c'est déguisement, Quentin, c'est pyjama, et moi, c'est habillé. Voilà. Et le chien, il a poil. Ah bah ouais. Et le chien aussi, le poisson. Alors, tu préfères les lumières blanches ou colorées? Bah, moi, nous, ça dépend. Blanche. Moi et moi.
Ouais, moi ça dépend. C'est-à-dire, moi je suis blanche, blanche, sur le blanche, sapin. Sur le sapin. Moi sans. Mais si c'est pour la décoration de la maison, et ben pour nous, ça sera multicolore. Moi c'est soit ouais. Blanche ou soit noir. Noir, des lumières noires. Donc, on en avait vu. N'importe quoi. Il y a des dames qui apparaissent. Ensuite, tu préfères faire un bonhomme de neige ou une bataille de boules de neige? Bataille de boules de neige. Bonhomme de neige. Bonhomme de neige. Ouais, moi je préfère faire un bonhomme de neige parce que les batailles de boules de neige, j'aime bien les jeter sur les autres, mais j'aime pas en recevoir parce que après on a de la neige en cou sur les chats. Moi aussi. Ça colle partout dans les cheveux et tu vas voir, je t'en envoie une cette année. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si, si. Alors ensuite, tu es plutôt gant ou moufle? Gant. Moi, je suis plutôt gant. En fait, moi, c'est gant pour le patin à glace, mais pour le ski, c'est moufle. Ouais, parce qu'en fait, les gants en laine, pour les enfants, on a le choix entre gant et moufle. Mais ils préfèrent les gants, bah, c'est plus facile. Neige. Et en version neige, en fait, il n'y a que des moufles pour les tout petits. Donc, bah, non, moi, c'est pour, moi, je prends les gants. Mais moi, c'est gants dans les deux cas. Ouais, je prends les gants pour neige. Pour non, neige. Pour la neige, tu as des moufles noires. Oui, mais moi, j'ai maintenant. Moi, j'ai pris celle de maman. Ok. As-tu déjà fait de la patinoire? Oui, oui. Moi, je suis en fait. Alors, moi, j'en fais depuis toute petite. Quand on a commencé tout petit, Océane a commencé toute petite aussi. Mais parce moi, qu'on a même un tonton moi, je, qui tient une patinoire. Maman, moi, je sais faire. Je sais tenir debout sur oui, un patinage. Tu commences à, mais, sur un patinage. Mais en fait, c'est juste avec un petit truc, en fait. Tu sais, le petit truc. Ah, oui, la petite chaise, ouais. Ouais. Alors, oui, nous, on fait souvent du patin. D'ailleurs, moi, j'ai mes patins à la maison. Et il faut savoir qu'on a un tonton, enfin moi j'ai surtout c'est mon tonton à moi, qui tient une ton patinoire. Parrain, non, mon tonton qui tient une c'est patinoire. Et on a une nouvelle patinoire qui est ouverte aujourd'hui à Nîmes. Voilà, donc on va pouvoir faire peut-être des vlogs, peut-être de trucs à la patinoire. Ça peut être sympa qui va être ouvert toute l'année. Alors ça c'est ouais super, super, super génial. On va dormir là-bas. N'importe quoi. Alors dernière question, question 20. Ton plus beau souvenir de Noël? Quand j'ai mis un slip sur la tête. Qui était rouge. C'est pas vrai. Non mais pourquoi tu... mais sérieux, tu te souviens de ça? Bah oui, tu me l'as montré en photo. Ah oui, tout à fait. En fait, je vous explique là. Corentin, en fait, c'est pas qu'on m'a pour tradition de mettre des slips en fait, sur la tête. Il avait pas de bonnet. De Noël. De Noël. Noël. Et du coup, il a trouvé un slip rouge. En fait, Corentin, il était tout petit, il avait un an. Et il avait envie d'avoir un bonnet de Père Noël, il en avait pas. Il a trouvé son slip de Cars, il s'est mis sur la tête comme un bonnet de Père Noël. Voilà, ben voilà, c'est rouge. Après, quand on est petit, on est un petit peu bête. Tu sais que là, tu viens de te piller un monde de ta vie quand même. quand on est petit, on est un petit peu bête. Ouais, mais pas que, même quand on est grand, des fois on est bête. Ensuite, toi, c'est quoi, toi? Oh, bah merci. Maman, c'est aussi. C'est quoi, toi, ton plus beau souvenir? Bah, tout. Tout, tout, tout. Ok. Mais bah, moi, mon plus beau souvenir. Moi, la dernière fois, j'ai failli mettre un slip de Corentin sur ma tête. Mais c'est quoi ces histoires? Ils vont dire, hé, les copains, on n'est pas bizarres, hein? Non, non, bah, c'est pas pire. Une fois, toi, t'avais tout dans ton maillot de bain. Oui, bah ça, j'ai déjà dit d'ailleurs dans le look de Sac Challenge d'ailleurs. Voilà, que j'avais un trou dans mon maillot de bain. Enfin bon, on s'égare. Alors, moi, mon plus beau souvenir de Noël, eh ben, c'est un jour, c'est tout bête. Je voulais depuis des mois une Barbie qui parle. Et oui, j'en ai déjà parlé aux enfants plein de fois. Moi, j'aime bien Barbie. Une Barbie qui parle. Maman. Et Océane parle même un peu trop d'ailleurs, des fois. Et en fait, je voulais une Barbie qui parle depuis un moment. Et j'avais demandé ça au Père Noël. Et le jour de Noël, quand j'ai reçu ma Barbie qui parlait, mais c'était le cadeau le plus génial de la Terre. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, ma Barbie qui parle, je l'ai toujours, je l'ai prêtée à Océane, je ne l'ai pas donnée, je lui ai prêtée. Elle a toujours ses piles d'origine, elle marche mais toujours aussi bien. Mais de toute façon, moi, je suis ta Barbie. Parce que je parle tout le temps. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Mais par contre, on n'a pas trouvé les piles. On n'a pas trouvé les piles. Comment les appeler? Elle marche avec des piles. Ah là là là. Donc voilà, bah, écoutez, c'est la dernière question. Voilà. Ah bah voilà. Bah voilà, ça allait vite en fait. Ouais, bah. Elle nous a marqué même. Bon. Voilà, on attend vos réponses avec impatience. Bah ça y est, c'est fait. Voilà. Stécie a aussi participé à la recherche des questions.
plein de bisous. Ben, bisous à vous les filles, bisous vous, bisous à Sylvie, bisous à Cécile, bisous à papa, bisous à mon frère, à tout le monde, à la grand-mère, au grand-père. Bisous, bisous. Alors, bien sûr, on a été tagués, donc on va attaquer quelqu'un d'autre. Oui. Alors, on va taguer qui ? Swan Cooking Magic. Ah oui, Swan Cooking Magic. Ah oui. Non, attention. C'est ma attention. Meilleure amie. Attention, Swan. Swan, attention. On a, tu as déjà attention. Fait ce challenge. Je veux que tu fasses avec ta maman que vous répondiez toutes les deux et que ce soit sur le thème de Noël, même si c'est fini Noël, c'est pas grave. Tu l'as fait là dans la foulée, là, entre Noël et Nouvel An, là, je te fais confiance. Tu vous fais la vidéo du No Cut Tag Challenge version Noël avec exactement voilà. La même question qu'on a eue. Vous aussi les amis, vous pouvez répondre aux questions dans les commentaires, ça va être sympa. Oui, on va et on va taguer vidéos. Une deuxième chaîne. Alors moi je sais qui je vais taguer, qui est toujours là dans les commentaires. C'est... Je sais. Tu sais Rory. Rory. Rory et sa grand-mère. Moi j'allais dire Rocky. C'est Rory et sa grand-mère, on va vous taguer les filles. Donc pareil... vous allez répondre. Donc, la mamie va répondre et Rory aussi, si c'est possible. Et la version comme tu veux, parce que toi, tu l'as pas fait. Donc, tu fais soit la version originale, soit la version Noël. Voilà. Donc, on vous fait. On vous donne l'orlée, les filles. Donc, allez-y. Soit Cooking Magic, allez voir leur chaîne au passage. Rory aussi, qui mérite vraiment d'avoir beaucoup d'abonnés. Les amis, on va vous laisser. C'est la fin de cette vidéo. On va vous faire des gros bisous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires là en bas. À nous laisser plein de petits pouces. Bleu. Des petits pouces vers le haut. Comme Monsieur Parfait. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on dit ciao, ciao, les amis. Bisous, bisous. Mouah, mouah.